Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez-moi pour le retard, il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Mais nous ferons tout pour sortir avant. Par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Pour gagner temps, tout cozoa à ta verset moko tomi bali. Pour gagner du temps, nous prendrons un verset ou deux. Mais tel que ça a été lu dans la parole d'introduction. Nanda koko bandaona na verset 13. Souki na 18. À la maison, tu peux commencer au verset 13 jusqu'au verset 18. Même le verset 19 ou 20. Quoi, même le verset 19, bon, jusqu'au verset 20. Maintenant, awa toko tanga boye na verset 17. Mais ici, nous pouvons lire ceci au verset 17. Et 18. Jésus reprenant la parole, lui dit. Dieu heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Cela est ton nom. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur toi, mais si sur ce roc. Toi, tu n'es pas le roc. Je te dis que tu es Pierre. Et non pas le roc. Et que si c'est roc, pas sur toi, Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tikanzambe asopa lipambuli likulua litanga liroba na kumba Yesu Kristo. Que Dieu déverse les bénédictions sur la lecture de la parole au nom du Seigneur Jésus Christ. Tokoko vanda. Pouvons nous asseoir. C'est la vérité. Telle que nous avions promis de parler sur l'église. Mais avant d'entrer dans la profondeur, de savoir qu'est-ce l'église telle que nous savons. Mais premièrement, nous allons voir avant l'église, ces gens-là, qui sont-ils? Avant qu'ils soient appelés église. On les appelait qui? Oui, il a fallu qu'on les appelle qui? Mais pour cela, nous retournons dans l'ancienne alliance. Et kunande tokokoka komono niniango ezolobama. C'est là que nous pouvons voir qu'est-ce qui est dit. Polikomi likoki nangote kolobakat na pamba. Parce que l'écriture ne peut pas parler en vain. Tosengeli kondima dokola elobaki likomi. Nous devons croire comme a dit l'écriture. Dolenge mususute. Pas autrement. Selon ce qu'a dit l'Écriture, toujours la foi biblique. La foi selon les Écritures, c'est cette foi-là qui a de la valeur devant Dieu, qui donne aux croyants
le droit de recevoir le signe qui est le Saint-Esprit en tant que sceau divin. Sans cela, moye mundimi ayamba elembo yeli musantu ezati. Il n'y a pas moyen que le croyant reçoive le signe du Saint-Esprit. Ça, c'est selon le donateur. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui a dit cela. Sans cela, au baptisamate. Sans cela, tu ne seras pas baptisé. Mais du Saint-Esprit, du feu. Alors tu n'auras pas le signe du Saint-Esprit. Enseignement ya mubatisi. Parce que c'est l'enseignement du baptiseur. Biso tuzundima ndenge wana. C'est comme cela que nous croyons. Alors, toko potozonga totala niniango, parce que l'Ancien Testament, disons, lisons d'abord Romains 15. Totanga nanu baloma zomina mitano. Doko la moboko ya oyo tulingi tomono. Comme la base de ce que nous voulons examiner. Romains 15, verset 4. Baloma zomina mitano mulongo ya minei. Oh, Jokane, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire avant nous, avant le Nouveau Testament, tout ce qui a été écrit d'avance, nous devons savoir le pourquoi. Nous devons savoir quel est son but. C'est-à-dire le pourquoi. Le pourquoi de cela. Et la Bible nous répond. La Bible nous dit. Là était. Yango ezalaki. Donc là était écrit. Yango là était. Yango ekomamaki. Pour notre instruction. Bona malaki sinabiso. Mais pour nini, makamongo nzambe akomaka na l'Ancien Testament. Mais pourquoi ces choses Dieu les avait écrites dans l'Ancien Testament? Bible lobi ekomama bongo ezalisa mabongo ndepona malaki sinabiso. La Bible dit ça a été écrit ou fait cela pour notre instruction. Afin que Nantinete, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous possédions l'espérance. Et l'espérance ne trompe plus. Elle est véritable. Les Écritures nous donnent l'espérance. Surtout les Écritures de l'Ancien Testament. Ont été écrits pour notre enseignement, pour notre instruction, pour nous instruire. Amen. Amen. Deuxième écriture. Pourquoi nous rentrons dans l'Ancien Testament? Parce que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. C'est pour que nous soyons bien enseignés par ces choses-là.
La chose que nous voudrons savoir, mais nous devons rentrer dans l'ancienne alliance. Alors pour voir comment ça a été écrit là, parce que tout ce qui a été écrit là-bas, c'était pour notre instruction. Alors de cela, nous pouvons être enseignés. Et nous comprenons la chose. Amen. 1 Corinthiens 10. Mokoba Corinthiens Zomi. Verset 6. Molongo ya Mutoba. Et encore verset 11. Elisusu Molongo ya Zomi na Moko. Menanda koko tanga 10 verset 1er. À la maison, tu peux lire du verset 1er. Jusqu'au 15e verset. Oh, Zokande, ces choses sont arrivées dans l'Ancien Testament aux croyants, aux fidèles, aux saints. Pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire pour notre instruction. Nous servir d'exemple. Notre instruction. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Lokola bango bazwa kiango. C'est pourquoi ba posa mabe na bango. C'est pourquoi leur mauvais désir et komama liboso. Ça a été écrit d'avance. Pour nous servir d'exemple. L'ilakisi. L'enseignement. Non, l'instruction. L'instruction. Amen. Que nous sachions, ah, ces hommes-là. Regardez comment ils sont parvenus au mauvais désir. Lorsqu'ils ont eu de mauvais désirs. Dieu était fâché à cause de cela. Beaucoup sont morts. Alors, nous maintenant, nous serons instruits de cela. Parce que nous connaissons notre Dieu. Na Malachi chapitre, je crois, 3, verset 6. Dans Malachi, je crois, chapitre 3, verset 6. Tout en anano. Disons d'abord. Alobaboui. Il a dit ceci. Malachi 3, verset 6. Malachi 3, verset 6. Car je suis Yahvé. Jambi Nazali Yahvé. Je ne change pas. Nazali Kobongo Nate. C'est ce que je suis. Yango Nazali. Je suis Yahvé. Nazali Yahvé. Je ne change pas. Na Kobongo Nate. Mais là. Celui qui traitait avec eux, c'est Yahvé. Il allait Yahvé. Et il dit, je ne change pas. Nazo bongo nate. Amen. Amen. Et vous, Pebino, enfant de Jacob, Bana Yakobo, vous n'avez pas été consumé. Bino bokufa kite. Et ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Soko toye lisusu awa. Si nous venons encore ici. Ici dans Hébreu. Avant to komane sika yo yebi wana. Avant d'arriver là où tu es là. Verset mususu pe ezali. Il y a aussi un autre verset. Hébreu chapitre 1. Ba ebele mukapwa yambo. Et comment mes boy. Il est écrit ceci.
Alobi. Il est dit. Verset 10. Le verset 10. Et encore. Pelisusu. Toi, Seigneur. Yo, Kolo. Tu as au commencement fondé la terre. Yo na ebandeli o sala ki mokili. O tonga ki mabele. Il n'y a pas de mokili. La terre. O tonga ki mabele. Toi. Yo. Pas quelqu'un d'autre. Moto mososote. Seigneur. Nkolo. Adonai. Adonai. Où y avait, toi y avait, tu as au commencement fondé la terre. Yona ipandeli otonga ki mabele. Et les cieux. Peba lola. Sont l'ouvrage de tes mains. Izali mosala ango ya loboko na yo. L'ouvrage de tes mains. Mosala ya maboko na yo. Et tout cela. Penyo swana. C'est au commencement. Ezali nde na ebandeli. Car il est écrit au commencement. Na biakomo mete na ebandeli. Dieu. Zambe. C'est-à-dire Elohim. Eloko Elohim. Créa. Akelaki. Les cieux. Balola. Et la terre. Pe mabele. Genèse 1. Genèse moko. Verset 1. Molongo moko. Ayini. Toi, Seigneur, toi, Yahvé, yo, Yahvé, tu as au commencement fondé la terre yo, na, et les cieux pe, balola, sont l'ouvrage de tes mains. Yali, mosala, ya, maboko, ma, yo. Ils périront ba, kokufa, et les cieux et la balola, terre et la mabele, passeront ba, koleka, périront et kokufa. Mais Kas. Tu subsistes. Yo, ozali ko umela. Alléluia. Amen. Ils vieilliront tous. Baso ba konuna. Nyoso. Nyoso konuna. Comme un vêtement. Lokole lamba. Eza balola e konuna, eza mabele ma konuna. Eso le ciel ou la terre veillent. Tous comme un vêtement. Nyoso lokole lamba. Et ensuite, Benassima, tu les rouleras Okolingango comme un manteau. Et pour finir, Epona kosukisa, et ils seront changés. Ekobongwana. Ils seront changés. Yango ekobongwana. Mais toi, Kasiyo, tu restes le même. Ozo. Ozo tikala lo lenge moko. Tu restes le même. Ozo tikala lo lenge moko. Tu ne changes pas. Ozali kobonga na te. Ça, c'est un verset intermédiaire. Wana za molongo moko ya katikati. Na oyo yebi. De ce que tu sais. Oyo yebi ezani. Ce que tu sais toi c'est quoi? Oto kuko ajouter. Que nous pouvons ajouter. Oyo totanga. De ce que nous avons lu ici. Hébreux 13:8. C'est notre verset familier dans ce message. Parce que le verset est kokisama dans le ministère de Frère Branham. Parce que le verset qui s'est accompli. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Même d'Abraham Branham Tabernacle. Et comment ma bongo. C'est écrit comme cela. Jésus-Christ est le même. Hier. Aujourd'hui. Éternellement. Il ne change. Hébreux 13:8. Alors, comme lui ne change pas, c'est pourquoi nous devons faire. Il ne change pas. Ces choses, lui a fait colère. Il était irrité. Non, pas chose. Oui, quoi, offenser, irriter. Les choses qui pouvaient l'irriter. Qu'on mettrait en colère. Le mettre en qu'on colère. Qu'on provoquait sa colère. Les choses qui et sa fureur. Sa fureur. Soit quand on s'allie en
Si nous le faisons, lelo, aujourd'hui, comme il est le même, loko la zalo il ne change pas. Akosilika. Il se fâchera, il s'irritera. Il se mettra en colère. Il se mettra en colère. Parce qu'il ne change pas. Oui, t'as zalo kobongo na te. Mais des choses qu'un homme avait fait en fait. Et Dieu était content de cela. Et c'est pénible ça. Ça a plu à Dieu. Ça a plu à Dieu. Aujourd'hui, ceux qui ont sali en haut. Aujourd'hui, si toi tu le fais. Il va te plaire. Il plaira aussi à toi. Il te plaira aussi. Vous voyez, Bagandengo, on va savoir comme cela. Alors, ce que tu as dit, Bissona Bango. Alors, si tu regardes, nous et eux, Bissona, tu suis bénis à grâce. C'est nous qui avons dit. Nous pouvons dire même. Pourquoi Bazana a un exemple à Rolandati? Parce qu'on a des exemples à ne pas suivre. Non, Bazana a un exemple à Rolandati. Ah, ils n'ont pas d'exemple à suivre. Mais biso déjà ba kombela biso maka. Mais nous déjà on nous a dit. Quand on a leçon les alliés. Nous avons des leçons qui sont ici. Donc soit les notre bungi et abiso moko. Si aujourd'hui nous sommes perdus. Soit ton beta mifimbo et abiso moko. Si nous sommes frappés. Soit qui a pas mis les biso et abiso moko. Là mais c'est nous mêmes. Pour toi bébé, soit qui n'a sali boyé. Parce que nous savons si c'est comme ça. Il se mettra en colère parce que nous avons été mis en colère. Sali boyé. Nous avons reçu le rapport. Nous avons reçu le rapport. Nous avons reçu le rapport. Il va se plaire parce que quelqu'un a fait. Vraiment, nous avons reçu. Vous voyez, Dieu est vraiment il est miséricordieux. Il est vraiment miséricordieux. Et riche en miséricorde. Il y a Zali Mozukati na Bosawa. Amen. Amen. C'est ça, frère. Zali Bongo Bandeko. Maintenant, tu es dans verset 11. Maintenant, nous sommes au verset 11. Du même chapitre. Il y a Mokapongo Mokomoko. 1 Corinthiens 10. Ces choses bilokoyo leur sont arrivées. Et comme la kibango, il faut voir le pourquoi. Il faut savoir le pourquoi. C'était pour servir d'exemple. Zaki pona kosunganda kisa. Ah bon? Ah bon? Mais poni batika ngo boete. Mais pourquoi on les a pas laissés comme ça? On les a écrites pourquoi? Et elles ont été écrites pour notre instruction. Bona malaki na biso. Biso, 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 banane. Non, 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 qui sommes-nous? À nous. Na biso. Qui sommes parvenus? Bah, ibasili kokoma. À la fin des siècles. Nasuka bikeke. Nous. Biso. Nous sommes parvenus. Biso, bah, à la kokoma. Fin des siècles. Nasuka bikeke. Potoyeba ke mobali wana Yesu. Pour que nous sachions que cet homme Jésus. Allo lenge moko. Il est le même. Tanga banako bianga ma Yahweh. Parce qu'il était appelé Yahweh. Makamo masalaka yekuna. Les choses qu'il a fait là-bas. Awa comme Yesu, ici qu'il est devenu Jésus, il demeure le même. Azali kotika lolenge moko. Uyuki kuna na Malachi. Tu as entendu là-bas Malachi. Je suis Yahvé. Alors bien Azali Yahvé. Et Yahvé de l'Ancien Testament. Yahvé yaboyoka niya sala. C'est Jésus du Nouveau Testament. De Yesu yaboyoka niya sika. Et en tant que Yahvé. Mais le col Yahvé. Abi. Il est. Je ne change pas. Nazo nazali kobongwa na te. Je ne change pas. Et en tant que Jésus, il demeure le même. Hier, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, pendant le jour de sa chair, éternellement, au cours des âges, il dit, il ne change pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut kotanga la Bible. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Kondi magandenge koloba. Croire tel que dit la Bible. Comme kolaka batoyo ba komama wa yote ndakisa malamu.
qui ont été écrits ici comme un bon exemple. Ah. C'est cela. Tu verras comment Dieu va te bénir. Alléluia. 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 Amen. Yango moni lisusu awa. C'est pourquoi vous voyez encore ici. Na baebele. Dans Hébreu. Hébreu 13, 8. Na verset à Sambo. Verset 7, suivez. Souvenez-vous de vos conducteurs. Qui sont-ils? Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Awa. Mokomi. L'écrivain. Poussé par l'Esprit Saint. Est-ce que c'est Paul qui a écrit? On est en train de tâtonner. Est-ce que c'est Paul qui a écrit? Ou bien Paul l'auteur? Ou ce n'est pas Paul? J'ai entendu ce serviteur de Dieu dire. Beaucoup disent que c'est Paul. Mais c'est Paul l'auteur. En réalité, ce n'était pas Paul. Mokomi atia kombo na yete. Parce que l'écrivain n'a pas signé son nom. Et tantôt. L'autre dit. Hekokai kozala Luka. Ça pouvait être Luc. Compagnon ya Paul. Musali elongo na Paul. Et finalement. Esuka. Ezalaki Paul. C'était Paul. Potomoni ekomeli na style na yi. Parce que nous voyons son style. Nandenge ya bandeko pesa mbote na mikanda misusu. Comment il pouvait saluer dans d'autres lettres? Nandenge bandeko tanga Timothée na mikanda misusu. Comment il pouvait lire Timothée? Tomoni pe azo tanga pe Timothée. Nous voyons il cite aussi Timothée. Et koko zalaka kaye. Alors ça peut être que lui. Na bozindo ya boye bio nzambe ya pesa kaye. Dans la profondeur de la connaissance. Par la profondeur. De la profondeur. De la profondeur de la connaissance que Dieu lui a donnée. De comprendre les écritures de l'ancienne alliance. Pour les aligner dans leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Tel que nous voyons dans son épître aux Romains. Épître n'aie pas ya ba Galate. Son épître aux Galatiens. Ah, c'est toujours lui. Na bozindo ya kolobela ba hébreu boye. Il parle aux hébreux comme ceci. Il faut zaka Paul. Ça doit être Paul. Bon, ezala Paul. Alors, que ça soit Paul. Ejanga kozala Paul. Que ça ne soit pas Paul. Mais biso tondimie tezali lo banza. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Koyeba mokomi ezala biso elokote. Connaître l'écrivain pour nous ça ne fait rien. Parce que auteur c'est Dieu lui-même. Vous êtes mon. Voilà frères et sœurs. La bande quoi si. Et Awa il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Bon mi kan sena bakamina bino. Ba conducteurs ya ngonde bana. Qui sont ces conducteurs? Ah qui vous ont annoncé la parole de Dieu? Alors ba basangela ki bino lo bango ya nzambe. Un vrai conducteur. Mukambia solo. Annonce la parole de Dieu au peuple. Celui qui n'annonce pas la parole de Dieu. On peut l'appeler conducteur. Mais faux. Amen. Amen. Mais les conducteurs ici, ce ne sont pas les conducteurs kimbanguistes. Ni le conducteur catholique. Non, bah, cambia, catholique. Ni le conducteur protestant. Non, bah, cambia, ya, bah, protestant. Ni le conducteur frère en Christ. Non, bah, cambia, bah, le conducteur Christ. Du message. Bah, cambia, non. Te. Mais le conducteur ici. Kasi, bah, cambia, ou? Ce sont des apôtres. Zaline, bah, Thomas. Le vrai serviteur de Dieu. Mon salut à Soliansam. Bah. Bah, salut à Soliansam. Établi dans l'église.
Placé là. Ce sont le conducteur du débit, du commencement. Le conducteur du débit, du commencement. Pas le nouveau conducteur. Ceux d'aujourd'hui. Ceux d'à présent. Ce sont des anciens conducteurs de l'église primitive. Amen. Amen. Voyez-vous, nous pouvons même les nommer. Dakisa, Petelo. Dakisa, Petelo. Johan. Johan. Jean. Jacobo. Jacques. Tous ces hommes-là, ce sont des conducteurs du commencement. Na Yemei Paolo. Et lui-même Paul. Bangonde modèle. Ce sont eux le modèle. Ba docteur Yebande. Les docteurs. Ba apôtre Yebande. Les apôtres du débit. Ba évangélistes Yebande. Les évangélistes du débit. Amen. Voyez-vous. Ba berger Yebande. Les bergers du débit. Oh Yohana. C'est là. Il faut kokanisa kabango. Il faut se souvenir d'eux. Kokanisa bango soki soto kanisi bango ne batera biso di lobanza ne ba mema di lobanza ne ba koma na kati ya Biblia yao comme ils ont écrit dans la Bible siko to kosuka ndeni maintenant comment allons nous finir siko alobi maintenant aidé mais considérer quelle a été la fin de leur vie ami kasi botala nini yango ezaki suka ya bomo ina bango basuki saka bomo ina bango na mabele ndeni quelle a été la fin de leur vie. Bayaka ko pengwa. Bajonga kasima. Bakoma ke ba retrograde. Non. Bandimi batei bayekoma ba épave. Ils ont cri, ils ont vécu et puis ils sont devenus des épaves. Des épaves. Donc bikanga, des épaves. Hein? Donc, Eloba Ndeko Zanga. Comment dit frère Zanga? Du temps, il y a frère Dieudonné. Attends, il y a Ndeko Dieudonné. Alobi, mais frère Dieudonné. Alobi, c'est Ndeko Dieudonné. Depuis Nandimi. Outa Nandimi. Namona Nanouté épave. Je n'ai jamais vu l'épave. Il y a serviteur de Dieu. D'un serviteur de Dieu. Épave et apôtre Moko. Épave et apôtre Moko. Il y a Biblia. De la Bible. Ayako comme épave. Il est devenu épave. Je n'ai jamais vu. Et puis, on cherchait vocabulaire. Hein, en lingala, il y a mot épave. On cherchait le vocabulaire du mot en lingala, du mot épave. Et ce n'était pas connu. Et par la grâce de Dieu, comme j'étais là, Dieu donnait à l'obé Ezanine. Dieu a dit c'est quoi? Moi j'ai dit c'est Ekanga. C'est ça l'épave. On a dit épave. Voyez-vous. Tokoba. Continuons. Et bien aimé mesdames le Seigneur. L'obé considéré. L'obé botala. Quelle a été la fin de leur vie? Il y a des gens qui sont en bango. Maintenant, quand vous la fin de leur vie, maintenant vous allez considérer la fin de leur vie. Tingamaki kana liloba. Comment ils sont restés? Ils n'ont pas abandonné. Batika laka fidèle. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Qui n'ont liwa? Ah! Mpe aye ko pesa biso ordre. Ainsi nous donne l'ordre. Mpe alobi. Eh! Alobi pe. Imiter leur foi. Nous ne pouvons pas imiter la foi des pères catholiques ou bien des conducteurs catholiques. Conducteurs protestants. Conducteurs kimbangistes. Non. Regardez l'un de ceux-là. Il nous a dit, soyez mes imitateurs. Et vous le connaissez. C'est qui? C'est Paul.
Vous allez imiter n'importe qui. Aujourd'hui, je ne sais pas quel c'est. Je ne sais pas encore. Parce que vos temps là, parce que tu dois voir, fait la vie naïe. La fin de sa vie. Parce que commencement la vie naïe. Et quoi vous allez bien. Mais tu es bien à nos faits la vie naïe. Nous ne connaissons pas encore la fin de sa vie. Bon, toujours un pays boy. Bon, rentrons de l'autre côté. Et frères et sœurs, nous nous ont demandé d'engueu. C'est comme ça que nous croyons. Donc, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternel, il ne change pas. C'est pourquoi, comment il a fait, lui, avec les enfants d'Israël. Même dans l'Église, même pour ceux qui sont de l'Église, ou l'Assemblée. Voilà. C'est cela. Vous voyez dans ces choses? Lisons d'abord dans la Bible. Prenons Genèse. Mais je voudrais que nous sautions. Je prends d'abord comme modèle. Motoyo Atata. Cet homme qui est. L'homme, pas cet homme. Moto yoazatata. L'homme qui est père. Père de Kwaya. Tata Yabandimi. Alors tu gozoa. Ainsi nous prendrons. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Dans Genèse 11. Dans Genèse 11. Nous lisons ceci. Ici, c'est après le déluge. Tour de Babel. Et après le tour de Babel. Les hommes étaient dispersés sur la terre. Alors nous lisons ceci. Olimbici, excusez-moi. Verset 10 pour tous les. Le verset 10 pour avoir la pensée. Voici la semence de Sem. Botala, mon boto ya Sem. Sem âgé de 100 ans. Sem na mibu mukama. Engendra Arpachad. Abotake Arpachad. Deux ans après le déluge. Bula mibalena simayampela. C'est ça. Zabongo. Sikoyo alobi boy. Maintenant il dit ceci. Excusez-moi. Oui. Limbis. Excusez-moi. Limbis. Abi. Il est. Sem vécu après la naissance d'Arpachad 500 ans. Sem abika kisima yambotama ya Arpachad mibon kamamitano. Omona batu baike. Voyez beaucoup de gens. Balobi. Dis. Njambe alobagi mo natango nano alobagi mutoko sukaka kasa 20 ans. Que Dieu a dit du temps de Noé que l'homme ne s'arrêtera qu'à 120 ans. Tout le monde a 120 ans. Personne ne dépassera 120 ans.
Qui a déjà entendu dire cela? Mais si vous le demandez, c'est écrit où? Il n'y en a pas. Parce que les gens ont tant à wana. Ce qu'ils lisent là. Ils ont duré à chaque être humain. Ce n'est pas la durée de chaque être humain. Ils ont duré à génération. C'est une durée de la génération. C'est-à-dire l'homme qui a vécu à ce temps-là, cette période-là, sur l'étendue, sur la surface de la terre, va dépasser une génération qui a dépassé sur 120 ans. Cette génération, il faut que génération dans 120 ans, elle soit effacée. Il faut qu'à 120 ans, que cette génération soit effacée. Mais ce n'est pas année à chaque individu. Non! Parce que si c'était comme ça, ici, ah ouais, c'est une contradiction. Côté parce que Motoyo, aye kobika 500 ans, si ma yampela, après le déluge. Et ça y est, moko kakate. Ce n'est pas ça. Abraham, okokuta, abika mbulebele, noué de la même manière. Noué de la même manière. Voilà. C'est ça. Nous passons. Sem vécu après la naissance de celui-là, ainsi de suite, 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 30 ans. 5 ans. Arshapad Namibuya Mukaba engendra Shelach. Shelach. Arpachad vécu après la naissance de Shelach. Arshapad Abika Kisimana Mbotama ya Shelach. 403 ans. Mibu Kamaminei Natuku Misat. Voilà. Et dépassé le jour 120 ans. Et ça a dépassé encore 120 ans. Il engendra des fils et des filles. Shelach, âgé de 30 ans, engendra Eber. Simba Kombo Eber. Saisis le nom Eber. Notez cela. Verset 14. Le verset 14. Maintenant, Shelach vécut après la naissance d'Héber. Maintenant, Shelach habita qui s'est marié en boîte à Héber. 403 ans. Mais bon, comment mina il a mis ça? Moussouzio n'a pas qui ça. L'autre s'est ajouté. Mais quoi, il y a 120 ans qui va coller 120 ans. Où est le problème? Bah, tu vas voir la maison, les 120, bah, triplé même. Les voilà, ils ont même triplé les 120 ans. Il engendra des fils et des filles. Bah, boîte à Kibana, bah, les pays, bah, la base. Hébert, âgé de 34 ans, engendra Pélège. Hébert vécu après la naissance de Pélège, 430 ans. L'autre s'est encore ajouté. Encore, ça s'est ajouté. Il engendra deux fils et deux filles. Maintenant, Pélège, âgé de 30 ans, engendra Réu. Pélège vécu après la naissance de Réu, 209 ans. Mais bon, ça s'est encore ajouté. Il engendra des fils et des filles. Rui, âgé de 32 ans, engendra Serug. Rui vécu après la naissance de Serug. Serug, avec Asima, il y a. Botama. Botama, il y a Serug. 207 ans. Mais bon, comme il parle na Sambo. Et il engendra des fils et des filles. Et ainsi de suite. C'est bon, on a bon. Celui qui est âgé de 30 ans, engendra Nachor ou Nakor. Nachor ou Nakor. Celui qui vécu après la naissance de Nachor ou Nakor. Celui qui habita qui s'est mambotama yanakor. 200 ans. Et bon, comment m'y parler?
C'est ça encore ajouté. Au-dessus de 120. Il engendra deux fils et deux filles. Maintenant, Nakor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Nakor vécu après la naissance de Terak, 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Maintenant, notons Terak. Terak, âgé de 70 ans, Terak na mibo toko sambo, engendra Abba. Abotaki Abalama. Nakor. Donc Akundori, le rôle de papa na Hindoui. Ah, son père comme son homo. Et Aram. Trois fils. L'aîné, c'est Abraham. Moi, je Terak. Le fils de Terak. Voici la semence de Terak. Et ainsi de suite. Bongo na bongo. Et la Bible dit, Terak engendra Abraham, Nakor et Aram. Terak abotake Abraham, Nakor et Aram. Aram engendra Lot. Aram abotake Lot. On m'a dit que Lot. Vous voyez que Lot. Abeng Abraham, tata kulutu. Appelé Abraham grand-père. Oncle paternel. Oncle paternel, pardon. Et Abraham a zo bengaye. Abraham l'a appelé. Moi, neveu, moi, un petit frère. Ah, son neveu. Amen. Amen. Et Aram mourut. Et Aram a koufaki. En présence de Terak, son père. Il bosse na Terak tatanaye. Au pays de sa naissance. Na mboka ya mbota manaye. À Ur en Chaldée. Na Ur katina Chaldée. C'est-à-dire na Irak d'aujourd'hui. Et le col va na Irak. Irak est kaka moko ya Saddam Hussein. Le même Irak ici. De Saddam Hussein. Et beaucoup pensent qu'Abraham était un Israélite. Toi, Azraki juif. Oui, il était un juif. Non, non. Tete. Azraki Moïse Israël était. Il n'était ni juif ni israélite. Nandenge. Baoutaka na Kaldé. Selon qu'il provenait de Kaldé. Alors nous pouvons l'appeler. Irakien. Un Irakien. Abraham a besoin de Kawana. Abraham, il était un homme de nation. Amen. 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 Abraham et Nakor prirent des femmes. Bazouaki basi. Donc l'Egnakulut. Alors l'aîné Babalisiko et le petit frère. Le nom de la femme d'Abraham. Combo ya mwasi Abraham était Sarai. Ezaki Sarai. Et le nom de la femme de Nakor était Milka. Et combo ya mwasi Nakor ezaki Milka. Fille d'Aran. Voilà mwasi Aran. Père de Milka et père de Jiska. Tata ya Milka et tata ya Jiska. Sarai était stérile. Sarai ezaki combo. Elle n'avait point d'enfant. Azaki na bana soko mukete. Terak prit Abraham. Terak azwaki Abraham. Wana tata na bango. Leur père. Il prit Abraham. Azwaki Abraham. Son fils. Mwana na ye. Et Lot. Pe Lot. Fils d'Aram. Mwana ya Aram. C'est-à-dire son petit-fils. Eli koloba son petit-fils. Fils de son fils. Mwana ya mwana na ye. Il prit aussi Sarai. Azwaki pe Sarai. Sa belle-fille. Sa belle-fille. Femme d'Abraham. Mwasi Abraham. Son fils. Mwana na ye. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Babimaki longo uta Ur kati na Chaldée. Pour aller au pays de Canaan. Bona kokena na mboka ya Kana. Ils vinrent jusqu'à Charan. Bakomaki kino Charan. Et ils y habitèrent. Et wana bavandaki. Le jour de Terak furent de 205 ans. Mikoli ya Terak ezaki kama mibale na mitano.
Et Térak mourut. Et Térak a koufake. À Charan. Na Charan. Omoni. Voyez-vous. Maintenant, verset 1, il y a chapitre 12. Maintenant, verset 1 du chapitre 12. Avant tout, comment on a l'ingana bakissa. Verset Moko. Avant d'y arriver, que j'ajoute un verset. Il y a même ordre d'idées autour du côté. Dans le même ordre d'idées de ce que nous venons de lire. Tu es en Josué. Venons dans Josué. Dans Josué. Dans Josué. Chapitre 24. Josué chapitre 24. Verset 1. Le verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shichem. Israël à Shichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple. Ainsi dit le Seigneur. Ou ainsi dit Yahvé. Le Dieu d'Israël. C'est ce verset qui montre que Josué était aussi un prophète. Il avait ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Il servait d'autres dieux. Et tous. Et la Térak. Que soit Térak. Et Zaba, Némi, Baléoana. Que soit ces deux fils là. Abalama, Nakor. Et Nakor. Bangobanso. Et tous. Bazaki, Basambeli, Yabike. Était adoré. Abraham, Abouzomon, Nazaki, Dola. Abraham, que vous voyez, était idolâtre. Amen. Parce que, au moment où je suis tout le temps gâté. Vous voyez ces choses, si nous ne lisons pas. Et croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non. C'est là où nous reconnaissons la grâce de Dieu. Que nous sommes sauvés par la grâce. Même notre élection, c'était par la grâce de Dieu. Et choisir Abraham. Un idolâtre. Que Dieu pouvait choisir Abraham ici un idolâtre. Mais c'était par sa grâce. Et par sa préscience. Et ainsi. Et ainsi. Pongo na pongo. Yoka. Écoutez. Et l'Éternel dit. Voilà, regarde, ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas Josué qui parle. C'est l'Éternel maintenant. Parce que Josué l'obaki ainsi parle. Yahvé. Et Dieu d'Israël. Zambango ya Israël. Je prie votre père Abraham. Nazoki tatana bino Abraham. De l'autre côté du fleuve. Nanga mususi ya ibale. Il ne faut pas. Joanne aussi a en place ya Josué. Singalité te. Josué a kamataki Abraham te nanga mo ya fleuve. Josué n'a pas pris Abraham. Oh yozo bale zali Yahweh yemoko. Ce qui part ici c'est Yahvé lui-même. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa semence. Et je lui donnais Isaac. Tout ça, j'ai. C'est Yahvé qui parle. «
J'envoyais Moïse et Aaron. Atinda ke Mose pe alona. 4. J'ai donné à Isaac et Jacob. Na pesa ki na Isaac Jacob. Et Esaïe. Pe Esaou. Les jumeaux. Ma passe. J'ai donné à semence à Esaïe la montagne de Seir. Na pesa ke mombote ya Esaïe ngoma mulai ya Seir. J'ai donné en propriété, pardon, en propriété à Esaïe la montagne de Seir. Na pesa ke libula na Esaïe ngoma mulai ya Seir. Mais Jacob, kasi Jacob et ses fils na bana na ya babali descendirent en Égypte. Bakitaki kati na Égypte. Au lieu de baisser bango du boula, au lieu de leur tonner, bango baego gita en Égypte. Et descendir en Égypte. Kuna en Égypte. Là en Égypte. Nde bango maki baum. C'est là qu'ils sont devenus des des. Et kuna en Égypte. Et là en Égypte. Nde nako kita po nako siko là bas. Et c'est là qu'il est descendu pour les faire sortir. Malgré que nasi na pesa bango promesse ya Kana. Bien que je leur avais donné la promesse de Kana. Mais bako ko hériter ango avant boumbuté. Ils ne pouvaient pas hériter cela avant la servitude. Et c'est là qu'il y a mbo bakende baumbu. Il a fallu premièrement qu'ils aillent en servitude. Donc, tant que l'Esprit du Seigneur en est au bima, alors, lorsque l'Esprit dit le Seigneur sortait ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Yangwe le bikolo. Soko yé na chapitre 12 ya Genèse. Si bien chapitre 12 de Genèse. Otanga wana kokene musika makamu mazai belia wa. Tu peux lire là, tu vas là, il y a beaucoup de choses. Comment l'Esprit dit le Seigneur était sorti. Chapitre 24 wana mubimba. Tous les chapitres 24. Maintenant, chapitre 12. Maintenant chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham. Il y avait à l'obéine à Abraham. C'était après la mort de Terak, son père. Zaki sima ya Terak tatanaye. Yaliwa ya Terak tatanaye. C'est maintenant la parole. Ça c'est fini l'iloba. Fut adressée à Abraham. Et bimela ki Abraham. Omoni mutumongo boya ako kangama nayo. Vous voyez quelqu'un peut s'attacher à toi. Oui, assemblée, il y a assemblée. Tu viens à l'assemblée, lui aussi vient à l'assemblée. Vous êtes bon de la, tout bon de la bise. Tu pries, oh, prions. Il dit qu'on le bâtit à Gazambo pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il est ténéli. Il dit qu'on le bâtira, oh, il bâtira. Ce sont ces terrains ici. Mais frère Branham a dit. Mais frère Branham a dit. Terak ya kangama kina Abraham. Terak était attaché à Abraham. Atika Abraham, mais Abraham, atinda mana mukili na mission moko. Il était envoyé dans le monde avec une mission. Il était là un élu. Eza yote tata na ye. C'est pas toi son père. Mais moi no yo botinda za moponami. Mais le fils que tu as engendré. Yo ko kangama na ye bongote. Toi ne t'attache pas seulement à lui. Soka soka nzambe akokangola yona ye akokabola bino. Fin de compte, Dieu va vous séparer. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il est mort. Et tant qu'on a coupé, et quand il est mort, il s'est arrêté là. C'est comme si l'incrédulité s'est arrêtée alors, là. C'est lui qui l'avait déjà prédestiné pour une mission. Il a dit comme il s'est séparé de la chose. Alors, il faut s'adresser à lui. Je dois maintenant m'adresser à lui. C'est là. Attendez. Bolimbis. Excusez-moi. Ah, mon gars est coqui. Voilà. Dilobanza. La parole de Dieu. Liali solo. Elle est la vérité. Zambe la biso a koko sakati. Notre Dieu ne ment pas. Bolimbis. Excusez-moi. Na luke sika moko. Je cherche un endroit. Néhémie chapitre 9. Néhémie mukapo alibwa. Danda. Suivez. Verset 4. Olonga minei.
Josué, Josué, Bani, Bani, Kadmiel, Kadmiel, Shebania, Shebania, Bini, Bini, Sherabia, Sherabia, Bani et Bani. Kenani, Bani et Kenani, montèrent sur l'estrade des Lévites. Bamatakina ebutelo ya balewi. Et crièrent à haute voix vers Yahvé leur Dieu. Et baganga kina mongongo makasi pa na Yahweh nzambe na bango. Josué oyo eza fils de Nun. C'est Josué ici n'est pas fils de Nun. Eza Josué mususu. Ezali un autre Josué. Et les Lévites Josué oyoki. Et balewi. Josué a liboso azaki Lévite te. Oyo le Lévite. Josué n'était pas un Lévite. C'est celui-ci est Lévite. Et Josué. Et Josué. Et les Lévites, pardon. Et les Lévites. Josué. Et Baléou. Josué. Kadmiel. Kadmiel. Bani. Bani. Ashbinia. Ashbinia. Sherebia. Sherebia. Odija. Odija. Shebania. Shebania. Et Petaja. Et Petaja. Dir. Balobaki. Levez-vous. Botelema. Louez Yahvé, votre Dieu. Bosanzola Yahvé nzambe na bino. D'éternité en éternité. Et yala yala katina yala. Que l'on loue ton nom glorifié, glorieux. Dikete bakumisa komo no yankembo. Qui est au-dessus de toute bénédiction. Wezali kolo ya lipambo linyoso. Et de toute louange. C'est toi Yahvé. Ezali yo Yahvé. Toi seul. Yo mokoka. Qui a fait les cieux. Yo salaki balola. Les cieux des cieux. Balola ya balola. Et toutes leurs armées. Be mapinga na ngonyoso. La terre. Mabele. Et tout ce qui est sur elle. Be nyoso zoma kili kolona. Les mains. Mai munana. Et tout ce qu'elle renferme. Be nyoso zomi na kati. Toi seul. Yo mokaka. Qui a fait toutes ces choses. Yo salaki biloko nyoso. Ce sont l'ouvrage de tes mains. Nali mosala ya maboko na yo. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux qui sont des anges t'adore. C'est toi Yahvé Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Alléluia. Alléluia. C'était l'élection. Mais il était un idolâtre. Mais avant la fondation du monde, Nzambe aponaka ye. Je l'a choisi. Adatango Terra azobota yewana. Même lorsque Terra la jambe. Azalaki déjà élu. Il était déjà élu. Tango azobala Sarai. Lorsque c'est marié à Sarai. Azaki déjà élu. Il était déjà élu. Et tango azosambe na bikeko ya tata na ye. Quand il adorait. Déjà si aponama. Déjà il était élu. C'est ce qui montre ce que nous sommes. C'est que nous sommes, oui. C'est de la même manière. L'élection, l'élection ne vient pas des bonnes œuvres. C'est par la grâce de Dieu. C'est par l'amour divin. C'est par sa préscience. Sa reconnaissance. C'est sa frère. Mais maintenant, si tu es élu. Eza pona. C'est pour. Ah! Oui. Alors, il faut éloquer en moi qu'on puisse amanabombo inayo. Pour que cette chose-là s'accomplisse dans ta vie. Umuni Abraham atazak mosambe ya bikeko. Abraham bien que idolâtre. Yambo molongo mojali sama nzambe aponaka ye. Avant que le monde soit, Dieu l'a élu. Avant la fondation du monde. Avant la fondation nzambe aponaka ye. Dieu l'a élu.
Il a élu pour être croyant. Pas des idoles. Mais du Dieu véritable. Qu'il croit la parole de Dieu. Dieu a vu son cœur. Bien qu'il idolâtre. Et il me cherche. Un jour, lorsque je lui ai demandé, il croira. Dieu savait cela. Zamba yeba ki yango. Et chacun de nous qui sommes élus, c'est de la même manière. De la même manière. Amen. Amen. De la même manière. Moi-même, votre frère ici. Mon père, jusqu'à sa mort, n'était pas baptisé. Que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les Kimbang, ou chez les musulmans, il n'était pas baptisé. Il n'est même pas entré dans une église quelconque qu'il aille adorer. Maintenant, pense comment j'ai été élevé. C'est dans la maison d'idolâtrie. La maison d'idolâtrie. Mais voyez la grâce de Dieu. Parce que vous êtes l'angolo dans Zambé. Aujourd'hui, j'adore les Dieux véritables qui m'a créé. Moi, je l'adore. C'est la grâce. Si papa était là, comment est-ce que vous pouvez me permettre? Voilà. C'est cela. Alors les choses de Dieu. C'est la grâce. C'est toi, Yahvé Dieu. Qui a choisi Abraham? Qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée? Et qui lui a donné le nom d'Abraham? Pourquoi? Tu trouvais son cœur fidèle. C'était quand? Avant même la fondation du monde. Il savait ce qui était dans le cœur d'Abraham. Que malgré il adore des idoles, il est fidèle dans son cœur. Il est en train de chercher le vrai Dieu. Amen. Tu trouves son cœur fidèle devant toi. Et tu fais alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa semence le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgaziens. Et tu as tenu ta parole. Car Dieu tient sa parole. Tu as tenu ta parole. Tu n'as pas voulu que ta parole tombe. Tu l'as tenu. Car tu tiens ta parole. Tu tiens toujours ta parole. Et tu l'as tenu. Amen. Amen. Vous voyez, frère. Tu as tenu ta parole. Car tu es juste. Tu n'es pas nommé pour mentir. Et ainsi de suite. Bongo na bongo. Tu peux lire là. Nemaya ako komé la biso. Tu verras tous les récits que Néhémie nous écrit ici au sujet d'Abraham. Chapitre 12. Chapitre l'Éternel 12. Dit à Abraham. Il y avait Genèse 12. Genèse 12. Verset 1. Bolongo ya yamo. Va-t'en de ton pays. Lo kende longo uta na mboka na yo. De ta patrie. Ute kolo na yo. Et de la maison de ton père. Maintenant, va où? Va dans le pays que je te montrerai. Va là-bas.
Ça, c'est un appel. Wana ezalimbela. Un appel pressant. Bela moko ya lombango. Un appel à sortir. Bela moko ya kobima. De la même manière avec nous. Na lolenga moko na biso. Il nous faut un appel. Ezengela na biso mbela moko. Et c'est Dieu qui nous avait sortis, qui nous a appelés. Et si nous sommes enfants d'Abraham, regardez ce que l'apôtre raconte au sujet d'Abraham. Pour la cause de la Guaguana, Nouveau Testament. Quand Abraham a entendu cette voix divine, cet appel divin, quand il a entendu, n'oubliez pas comment vient la foi. La foi vient comment? De ce qu'on entend. Maintenant, Abraham a entendu la parole de Dieu. Et dans Hébreux 11, l'apôtre dit ceci. Thomas, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qu'il est parti ainsi sans savoir où il allait. Amen. Voyez-vous? C'est cela. C'était par la foi. Isaac na kondima. Donc, Denga Abraham, Denga Bible comme une hébreuana, comme la Bible verset à référence dans l'Ancien Testament, le verset de référence dans l'Ancien Testament, chapitre 12, tout autant à Genèse. C'est le chapitre 12 que nous venons de lire de Genèse. Waneza, lors de son appel. Waneza, le tango ya. C'est le même appel que Dieu nous a adressé. C'est la même vocation. Et si Dieu t'avait déjà élu, s'il connaissait déjà ton cœur avant la fondation du monde, et okosuka na gondima, que tu finiras par quand on appelle Bimelio, lorsque la pelle est sangelamu, okobete tembete, okoyoka yango, pe okondima yango, et tu croiras cela, okobima, tu sortiras, pe okokende, et tu iras. Ici, je n'ai pas encore dans la pensée que c'était lui-même qui m'a appelé. Nakati dans une vision. Dans une vision. Personne ne m'a prêché. Laisse-moi que je puisse vous. Un appel qui nous est commun. Un appel commun. Pas appel individuel. Ce n'est pas un appel individuel, ce n'est pas ça. Éphésiens. Nous sommes les gens qui sont des épouvantails. Oh, moi, personne ne m'a prêché. Toi qui? Yo, comme Abraham, toi-même, que tu viennes que, sans que Dieu te prêche. Sans que personne ne te prêche. Tu n'es pas Abraham. Anda. Reste. Sois calme. Éphésiens, chapitre 4. Nanda. Suivez. Je vous exhorte donc, verset Alibousso, moi le prisonnier dans le Seigneur. Voici mon exhortation. À marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. Les Éphésiens, Bazaki et Bélé. Mais appel, les gars, Moronde, bien à Rabam. C'est l'appel qu'ils avaient envoyé. Et ça qui montre que ton appel est naïf. C'était pas chacun avec son appel.
C'est une vocation commune. Un appel commun. Pour tous les élus. Mais chacun joue un rôle dans tango na ye. Mais chacun entend cela en son temps. Et n'a sauté. Et je saute. Nazari na verset 1. J'étais au verset 1. Siko na komi na verset 4. Maintenant je suis au verset pourquoi 4. Pourquoi j'ai dit cela? Bona ni nazari koloba bongo. Parce qu'il y a un seul corps. Oui, tes amis, zoto kaka moko. Pas deux corps. Un seul corps. Et un seul esprit. Beli mo kaka moko. Dans ce seul corps. Kati na zoto ngo moko. Si le corps est un seul, l'esprit qui anime le corps est aussi un seul. Un corps n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'esprit. Un corps n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'esprit. N'a qu'un seul esprit. Et le corps est un seul. Et l'esprit qui conduit le corps est aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé. Voyez, c'est un appel. Hein? Vous avez été appelé à une espérance par votre appel. Votre appel au singulier. Où est la pensée que Dieu m'a appelé? Il t'a appelé comment? Par quelle façon? De quelle manière? Ça, ce sont des bangisa. Ce sont des épouvantails. Amen. Amen. C'est ça, frère. Zali bongo bandeko. Bisotu zondi ma bongo. C'est comme ça que nous croyons. Soko ye awo. Si tu viens ici. Pour nous montrer Zambela et Zara Moko. Pour montrer qu'il y a qu'un seul appel. Hébreu. Bah ébélé. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frère saint, vous êtes saint. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à l'appel céleste. Voilà, un seul appel céleste. Vous tous, vous avez part à cette vocation. Amen. Amen. Tala. Regardez. Sogope, toyeli susu awa. Si encore nous venons ici. Totangi boy. Nous lisons ceci. Timothée. Chapitre 1. Mukapoyambo. Mego banda atana verset 8 pona contexte. Tu peux commencer même au verset 8. Mekambezana verset 9. Le problème c'est au verset 9. N'ai donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Kozala bongo na son été ya tato li akopesa na tina na nkolo na biso. Ni de moi sont prisonniers. To ya ngai mukangamina ye. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Parce que c'est Dieu qui nous a sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation. Un saint appel. Pas des appels, mais un seul appel. Qui est
est saint. Non à cause de nos œuvres. Mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les siècles. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, parce qu'il a vaincu la mort. Il a réduit la mort à l'impuissance. Voyez, frère. Oh, la parole de Dieu merveilleuse. Et il dit, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le Saint t'appelle. Bella Moko Isanto. Je vais m'arrêter ici. Deux Thessaloniciens. Mais balé ba Thessalonique. Ou bien un Thessalonicien. Donc moi je vais regarder. Je crois que ça deux Thessaloniciens. Je pense que ça doit être des Thessaloniciens. Totangi boye. Nous lisons ceci. Chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Mais balé Thessalonique mon capo mi balé. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi. De la même manière qu'il avait choisi Abraham. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Et ces choix-là, pour le salut. Pas pour la perdition, mais pour le salut. Et cela, par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Un élu croit la vérité. Un élu est sanctifié. Par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Mais écoutez. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est à quoi il vous a appelé. Il vous a appelé par notre évangile. Ah. Ce sont l'appel de Dieu. Par l'évangile. Que les hommes envoyés de Dieu prêchent. Quand vous entendez l'évangile, c'est Dieu qui vous adresse la sainte vocation. Il vous appelle. Et cet appel est là. Est l'unique. Évangile les obéis. L'évangile nous appelle. Du théâtre, mon madame, des obéis. La prédication de l'évangile nous appelle. Et il faut chacun, oh ya yogi, avoir répond. Il faut que chacun qui la réponse à son appel. Quoi ya nous l'annonce là. Oui, c'est la foi. Les allez connaître. Quand on croit, on répond. Oyanoli. Quand on doute de cela, on rejette la paix. Celui qui croit, c'est celui qui a répondu à l'appel
appel divin. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire premièrement. Tout cela, c'est correct. Parce que ici que toi tu réponds aujourd'hui tant qu'on s'en rend été à mes amis pour répondre na kundima, tu réponds par la foi. Yeba genzabe assez à mon aïe avant la fondation du monde. Sache que Dieu t'a dit ma maman ne sait ça là-bas avant. Mais il faut écouter ça malélo. Ça doit s'accomplir aujourd'hui. C'est comme Dieu déjà t'a dit. Tout pour Dieu c'était déjà fini. Mais il faut filmer on est jonga. Mais il faut rediffuser ce film. Parce que ça c'est dans la préscience de Dieu. Boyebi mayele ya nzambe ya liboso. La préscience de Dieu. Préconnaissance ya nzambe. La préconnaissance de Dieu. Boyebi na ye ya yambo. La préconnaissance. Parce que yeba ninge yokojala. Tu connaissais déjà ce. Yo moko yeba kite. Toi-même tu savais pas. Yo moko yozo kama ko kama. Toi tu t'étonnes. Même nana zo kama. Même moi je. Ndi makambo makashi boyanga na zo ndima. Bato basusu bandima te. Je ne crois pas. Mpo avant la fondation du monde. Nzambe asia yebanga. Je m'a connu. Makamongo pese te yama. Cette chose était déjà faite. Ndambe na fandaka na yoka. Moi aussi j'étais assis j'attendais. Na yambaka yango. Et j'avais ressuscité. Nzambe lobi yamba. Et Dieu a dit reçois. Aponi ngai kaka na yamba. Je suis assis te recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Totele. Lève-nous. Voilà frère. Votre labande ko. Tolingai to kamata abalama. Nous avons voulu prendre Abraham. Azala moto yo to ko se référer na yi. Que soit l'homme à qui nous allons nous référer. Monique Terra botaki bane belé. Vous voyez que Terra a engendré beaucoup d'enfants. Bana mibali bazai combien ya Terra? Les fils de Terra étaient combien? Trois fils. Mais moko ko kande azaki Eli. Un seul qui était Eli. C'est ça. Zabongo. Et au moment d'Abraham, après, au bout d'Abraham est belé. Et tu verras aussi Abraham engendrera beaucoup d'enfants. Beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Non, il y a un nombre d'Abraham. Il connaît le nombre des fils d'Abraham. Vous avez combien? Ils étaient au nombre de combien? Combien au moins? Combien au moins? Hein? Sept. Avec Sarah, Babouta est banabouni. Avec Sarah, combien d'enfants? Avec Agar. Avec Agar. Et avec. Ketura. Avec Ketura. Donc 8. Alors 8. Maintenant 8 wana. Mais de ces 8, kaka moko nde azagi Eli. Un seul qui était Eli. Isaac. Alléluia. Oyoge atatango Josué azoloba. Eza la tango Némi azokom. Même quand bazako se référer kaka na. Il se référait seulement à Isaac. Alléluia. Isaac a kobot. Et tu vas trouver que Isaac engendre. Batangia wa botaki bana miba. On a dit il a engendré Jacob et Esaü. Jacob et Esaü. Mais comment on nzambe? Mais tu verras que akotinga maka Jacob. Il va s'accrocher seulement Jacob. Mon bonne maison de Jacob. L'Élie c'était Jacob. C'est ça frère. Ça bon la manière de faire de Dieu. Le et Dieu ne peut pas se tromper. Zamba koko, il ne se trompe jamais. Si Dieu choisit quelqu'un, il le sait. Qu'est-ce qui arrivera à cet homme? Dieu a déjà vu. Ayeba. Ah, il a connu ça. Jusqu'à la mort de cet homme. Qu'est-ce qui arrivera à Dieu? Qui sera étrange. Mais madame Bango est arrivée dans Tinaté. Les choses n'avaient pas d'importance. Parce que le plus grand témoignage oui, est celui de Dieu. Oh, Yanzambe. Celui de Dieu, c'est tout. Oh, Yanzambe, si. Oh, Bazoro, c'est zéro. Dès qu'il dit, c'est zéro.
Voilà. C'est cela. Et wana de tukoya komona bana wana ya Israël. C'est là que nous verrons. Suka suka bakoya kokoma église. Finalement, ils deviendront l'église. Bakokoma assemblée. Ils deviendront l'assemblée. Tokobone. Prions. Njambe. Yonde tata ya kolo na biso Yesu Masia. Merci. Tuyebi ke eyali kambo ya ngolu ya kopona maya yome njambe na boyebi boyo ya yambo. Merci Seigneur. Yulingala makabo oyo ekomama liboso. Botango tokoyoka batange libiso yango toto tangi yango. Toya kososola lolenge yo osalaka. Boye tokobondisama. Na libondi ya makumi. Merci. Pambula mwano ya mobile. Pambula pe o ya mwasi. Biso toza eglize ya batoyo bango bete tolo na boyenge bene ya bango moko te. To ya misala na bango moko te 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 te. Biso toza eglize ya bato yo ba mimona kiete ba mabe yonde mala obikisa kibiso yonde oko bongisa biso ndeko bongisa kipe abalama kino yeko shanje yena kombo ndeko bongisa kipe Sarai kino yeko shanje yena kombo. Boyende biso toko tale la yo. Shanje pe biso kombo. Tuzaki na bakombo ya kala, ya bamiyibi, mibali ya ndumba, basi ya pite. Bakombo ya ndenge na ndenge ya mabe. Me, ukuko bongo la pe biso kombo, potoko ma ba Christ. Ba Christ. Ba chrétienne, ba chrétienne. Ba toyo, ba koula nanayo. Ba zungolu na miso nayo. Merci. Merci na mbela. Merci. Mbela oyo, mwaya kukakulango yate. Mbela, efanda na mutema. Totambula enge bene na pele. Abraham abande kutambula ne tambuli moko ebongaki na mbela biso pe motindo moko mbela otosu yeuti na sango mala alo itambuli na biso ekokana na mbela ngo ya sango mala sango mala mwe byangi biso tutambula enge bene na motindo mobongi na sango mala kolata kobika kosala ndenge wa kukana na mbela ya sangila pambula mwana mbali pambula mwana mwasi kembu kupe masanzuli nyambango yome. Merci. Merci Seigneur. Potango biyange biso ezali pozo mokumba na biso nde yomo koligi yomo komema biso nde wapadayi kukamba Abraham. Abraham abanao tambula na inspirasyo abanao yebe paya abanao kendete biso pe Seigneur ataba yoko ni batuna kiyo. Seigneur, là où tu vas, je te bien attaqué. Tu vas bien dire un dingue. Yamanan Kolo, Yondo Pesaviso promesse, Yesika Yozan, je te vois à la voix. Yondo Gota et Savison Zela. Ou bien Gibiso, Tolanda, Obe Mungongo Yambela. Tolanda, Sango, Oyo Yambela, Sangeram Yambela. Totambula, Ndenge, Mungongo Yambela, Ekola Kisaviso. Bisope tobila yango tokokoma bisika yolingete tojala. Merci. Merci. Tekoko na koko ya kosamela na kubuse pi na sima tokobima.
Nzambe tata na biso. Dieu notre père. Kumisama lisusu na pokwa lelo. Sois encore loué ce soir. Makamboyo tango mwana na yo yali kinda yaki awana mabele. Ces choses lorsque ton fils ton unique est venu ici sur la terre. Simanaye kobianga baye koli. Après avoir appelé les disciples. Kula kisabango liloba na yo. Après les avoir enseigné ta parole. Pe kososola yango. Et les comprendre. Nantangoyo ba farisai ba sadukai mpe ba scribe bazalaki kobeta tembe. En ce moment-là, les pharisiens, les scribes, les sadiciens doutaient. Bayokoli bazalaki ba ponami. Les disciples étaient des élus. Mpe ba sosolaki malamu liloba na yo. Ils avaient bien compris ta parole. Pe mwana na yo akokaki koganga boye. Et ton fils pouvait ainsi crier. Oh, kumisa matata. Amen. Oh, sois loué, Père. Nkolo ya lola pe ya mabele. Le Seigneur du ciel et de la terre. Na lolenge boyete makamboyo obombela bato ya mayele pe ya bwanya. Je sais que ces choses tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Mais olakisi yango epayi na bana. Mais tu les as révélés aux enfants. Lokumo mpo ete yo sepelaka esala mabongo. L'honneur te soit rendu parce que tu as voulu que cela soit ainsi. Nzambe na biso. Notre Dieu. Na pokwa lelo. Ce soir. Oyebisi biso ntina nini biso tozali awa. Tu nous as dit le pourquoi nous sommes ici. Parce que tozali libota yango ya balayama. Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Wana obenga ki ya balayama. Pendant que tu as appelé Abraham. Obenga ki pe bokitano na ye. Tu as appelé aussi sa descendance. Atako naino tokomi penza te na bozindo wana ol pakoli mokengeli. Même si nous sommes pas encore arrivés à cette profondeur, tu mais totondi déjà na esengo. Mais nous sommes déjà remplis de joie. Yakoye bakayete de savoir que nano mokilio e jali samite avant la fondation du monde. Oyeba kabiso. Tu nous as connu. Kaka koyeba te. Pas seulement nous connaître. Opona kabiso. Tu nous as eli. Kaka kopona te. Pas seulement eli. Obianga kibiso. Tu nous as appelé. Pe biso yeyo. Et nous voici. Kolo, Seigneur, tolingito tambola ndenge ya bala ya matambolaki. Nous voulons marcher comme Abraham a marché. Alembaki na nzela te. Il ne s'est pas lassé sur le chemin. Akomaki kino na suka. Il est allé jusqu'à la fin. Salabiso bongo. Fais-nous ainsi. Tokoma kino na suka mobemboyo. Arrivé jusqu'à la fin de ce voyage. Bitumba eko zanga te. Les batailles ne manqueront pas. Mabaku eko zanga te. Les embûches ne manqueront pas. Bikondongo eko zanga te. Les obstacles ne manqueront pas. Mais eko mamiete. Mais il est écrit. En Christ, Katina Christo, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons conduis-nous jusqu'à la fin. Zabena Lola, Dieu du ciel, Pakola lisusu mombo na yo. Oint de nouveau ton serviteur. Pesaye makasi. Fortifie-le. Pesaye bwanya. Donne-lui la sagesse. Paul, ata Paul wa komakiete. Même Paul. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Pesaye makoki wan. Donne-lui cette capacité. Tout au long y a enseignement au Seigneur. Tout au long de cet enseignement, Seigneur. Lola e vanda katina ye. Que le ciel habite en lui. Pe alobela biso ba prodige. Et que nous parle de prodiges. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Ton dimiete. Nous croyons que. Oko sala yango. Tu le feras. Pona tembete. Parce que sans doute. Tomoni ete mopona minayo azaliao. Amen. Ton élie est ici. Awa ye azaliawa. Pendant qu'il est ici. Lobela ye liloba nayo. Parle-lui ta parole. Na pokwa oyo. Ce soir. Lokolo zalaki elongo na biso. Tu étais avec nous. Peto tieli omo tema. Nous nous confions en toi. Ton dimiete ozalaki elongo na biso. Nous croyons que tu étais avec nous. Nanzela na kondima. Par la foi. Pela moko abala mabimaki. De même qu'Abraham est sorti. Kozanga koyeba ta epa yazali kokende. Sans savoir où il allait. Na kondima moko moko wana. Par la même foi. Mobeli. Que le malade abimawa. Qu'il sorte ici. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Abikisami. Kéri. Oyo alembaki na kondima. C'est lui qui s'est lassé dans la foi. Zongi sela ye kondima. Que tu puisses lui remettre la foi. Oyo akweyaki. C'est lui qui était tombé. Telemisaye. Que tu puisses le relever. Nzambe na bomoi. Dieu vivant. Soki lobi. Si demain, okopesa lisusu nzela. Tu donneras encore l'occasion. Toyangana awa. De nous réunir ici. To bonde lieu était lola eloba lisusu. Nous te prions que le ciel parle. Pesa biso posa ya koya na koyangana. Donne-nous le désir de venir. Toti kalakananda kote. Nous ne restons pas dans la maison. Sans cause. Sans cause.
Pour Biblia elobi. Parce que la Bible dit. Bozangi sakako yanga na binote. Abandonnez pas votre. Lokola yango e koma momesano ya bato mosusu. Comme c'est la coutume chez quelqu'un. Mais salabiso grâce. Mais fais nos grâces. Mokolonio sosoko bikuke fongwami. Les jours si les portes sont. Tozalawa pona koyoka tolina yo. Et nous soyons ici pour écouter tes conseils. Tondimiete ndeko Joseph apambolami. Nous croyons que frère Joseph est béni. Ndeko Joseph fue interprète apambolami. Joseph l'interprète est béni. Bisope bayoki to pambolami. Nous aussi les éditeurs nous sommes bénis. Pe koyanga na mobimba. Et toute l'assemblée. Toza kozonga na bandako. Nous rentrons dans la maison. Na se ya lipamboli. So la bénédiction. Bebi sa miango ya monguna pona biso. Et tous les plans de l'ennemi pour nous. Na kimia. Et tu puisses nous. To bonde liona kombo na Yesu Christo. Nous te prions au Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Tika lingomba toloba amen. Que l'église dise amen. Be alléluia. Et alléluia. Osuki wana. Nous avons terminé par là. Ezabambote abandé quelques frères. Il y a des salutations de quelques frères. Qui suivent en ligne. Victor Timbundu. Victor Timbundu. Jérôme Iziba. Jérôme Iziba. Soki Marnesi Palunga. Manesi Palunga. Batindili biso bambote na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Nous avons salué au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ndekoyo alobi kokukana na liro alobi ndeko lilanga kokukana na liro banzambe. Et dit frère Lilanga conformant la parole de Dieu. Mpena bokoko ya lingomba. Et la tradition de l'église. Biso libota kingani. Non. Tozwi mesengo ya solo penza. Non. Donc, avons le réel plaisir de venir auprès de votre éminente personne solliciter la consécration de notre enfant, Chimbandi Mpongo Marcel. En réalité, ce n'est pas une tradition. Il faut que l'on ait la tradition. C'est là conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas une tradition ni une coutume. C'est la parole, c'est l'écriture. Ce que Zaki baptême, on a tradition. C'est tout bon. Quand ça va bébé, on a commis beaucoup tradition. Mais on a une tradition, il dit au bas. Jésus lui-même bénissait les enfants. C'est la parole. Et au Kokuta, depuis la salle des amas, il y a une loi. Ce que tu as dans Lévitique, au Kokuta, moi, dans mon bal, je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu Mwana mwasoka kukisi mibubwe to mikolobwe ba memye na tembe. Donc eza eloko ya kuevante te, c'est biblique. Alors frère, kwe yana bebe, comme ça frère bosenge ya kobondela, awa biso, tozo yembe na kolope, tozo bima. Ya tradition te. Ok frère, ce n'est pas une tradition, c'est la parole. Yabana na yo babale Zibango mwana kitok Oba pesi na kombo ya mpongo Mwana akola na esengo liboso ya baninga Makila na yo ezala lopangu ya mwana. Tango mwana kokola ako kapeko sale la yo. Kobanda sasa ipi ozali kokonsakre mwana oyo na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen.
À la croix, pour mon sauveur, où je priais pour me purifier, où le sang fut la pluie la mort. Chantons gloire à son, oh gloire à Jésus, gloire à son, oh il mérite la gloire. Oh l'agneau immolé, où les enfants, la pluie, la mort. Oh chantons gloire à son.